Pour vous, quelle qualité vous semble la plus importante chez un garçon? La délicatesse. Allô, Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Mais n'oubliez pas, la différence entre le viol et le consentement, c'est le consentement. C'est la dure loi de la vie. Bien sûr, toi, rien ne te touche. Faut jamais se laisser attendrir. Je vais pas oser lui prendre la main, elle me prendrait pour un dragueur. Tu seras vraiment un homme quand t'arriveras à sauter à pied et jouer avec ton slip. Ça m'a paru humiliant. Le caresseur. Pourquoi tu ronronnes pas? Si tu me trouvais plus belle, tu m'aimerais toujours. Pourquoi vous lui avez cousu les oreilles? Tu sais pourquoi on tient le coup tous les deux? Pardon, mademoiselle. Pourriez-vous nous faire voir vos seins, s'il vous plaît? Pourquoi faire? C'est pour montrer aux petits. Faudra pourtant que tu t'habitues, Joachim Barnabé. Ici, on se rend compte tous les jours qu'on descend du singe. C'est pourtant fantastique d'être un animal et de le savoir. Je m'en fous. J'en trouve où je veux de l'aphrodisiaque, moi. Je taperais bien une mexicaine hallucinée. Ça va pas être dégueulasse de se taper une hallucinée. Je préfère dépendre d'un homme que j'aime que de tous les gens dont je dépendais quand je travaillais. Si t'es vraiment comme ça, je crois qu'on pourra se revoir souvent. Et encore, les sentiments, c'est le contraire. L'amour, c'est de regarder tous les deux dans la même direction. On peut pas s'en passer. Ah, j'ai pas pensé à ça. Moi, vous savez, faut pas le répéter, mais je préfère les hommes. Non, je vous crois pas. Il fait de la peinture, Clito. C'est dommage. Quoi? Que les mecs, ils se retournent de l'autre côté après. Qu'ils en aient plus rien à foutre. Quand nous, on aimerait bien qu'ils nous câlinent. C'est normal, parce qu'entre vous, il n'y a pas d'amour.